Maintenant, on va voir comment nommer les différents groupements fonctionnels. Donc, les différentes familles de composés, comme par exemple, on va commencer avec les alcools. Les alcools, c'est la famille de composés qui contient le groupement fonctionnel hydroxyle, donc le groupement fonctionnel OH. Donc, vous allez voir que chacune des familles contient un groupement fonctionnel. Pour les alcools, la façon qu'on va les nommer, qui va être semblable pour tous les groupements fonctionnels, c'est que, dans le fond, je vous ai déjà enseigné comment nommer les groupements fonctionnels. Parce que les alcènes et les alcynes sont un groupement fonctionnel. Donc, si on se souvient bien, les alcènes et les alcynes doivent être dans la chaîne principale et on doit leur attribuer le plus petit numéro possible. Ça va être encore vrai pour les alcools. C'est la terminaison qui va changer. Quand on avait une liaison double et une liaison triple, c'était des N ou IN qui était la terminaison. Là, maintenant, pour les alcools, la terminaison va être OL. Donc, cette année, tous les alcools qu'on va nommer vont être des alcanes. Donc, il va y avoir le AN qui va être encore dedans, mais on va enlever le E et on va ajouter le OL. Donc, par exemple, un alcool que vous connaissez beaucoup, c'est celui, j'imagine que vous n'avez entendu parler par vos parents, c'est l'éthanol, okay? L'alcool qu'il y a dans les boissons alcoolisées. Il y a deux carbones ici, donc c'est éthane, être pour deux carbones, liaison simple, éthane, et là j'enlève le E et je vais rajouter le OL. Ici, remarquez que c'est différent des liaisons doubles dans cet exemple-là parce que normalement, je devais écrire le numéro. Où se trouve l'alcool? Ça, c'est une des exceptions. Quand on a une petite molécule qui contient seulement un ou deux carbones, c'est sûr que l'alcool va être à la position 1. Donc, on ne mettra pas le 1 parce qu'il est redondant. Mais ça, c'est seulement pour les petites molécules de 1 ou 2 carbones. Quand il va y avoir plus de 2 carbones, à ce moment-là, il va falloir indiquer où se trouve l'alcool. Comme c'est le cas ici. Donc, premièrement, je compte ma chaîne principale. Ma chaîne principale, c'est les carbones. Je dois toujours m'assurer que mes carbones de ma chaîne principale sont connectés, au moins un d'eux est connecté au OH de l'alcool. 4 carbones, c'est but. Si toutes des liaisons simples, c'est butane. J'enlève le E, je le remplace par un OL. Et là, dans ce cas-ci, je dois indiquer où se trouve l'alcool sur ma chaîne principale. Je vais le mettre sur le carbone 2 pour avoir le plus petit numéro possible. Donc, c'était mieux de numéroter de gauche à droite que de droite à gauche si l'alcool est en position 2. Donc, ce composé-là s'appelle du butane 2-OL. Même chose que pour les liaisons doubles. Quand j'avais deux liaisons doubles, on disait diène. Quand je vais avoir deux alcools, je vais dire diol. Donc, déjà là, ce composé-là, je sais qu'il va finir par diol. Okay. Sa chaîne principale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas oublier que la chaîne principale, c'est la plus longue chaîne de carbone consécutive que je peux former. Fait qu'ici, il y avait 10 carbones dans la chaîne principale. Ça veut dire que ça va être DEC. Oups. Pour numéroter, on veut tout le temps donner préséance aux groupements fonctionnels. Donc, c'est tout le temps les groupements fonctionnels qui ont le plus petit numéro. J'oublie les ramifications. S'il n'y a pas de groupement fonctionnel, je veux donner le plus petit numéro à mes ramifications, mais aussitôt que j'ai un groupement fonctionnel, c'est lui qui doit avoir le plus petit numéro. Fait qu'ici, c'était mieux de numéroter à partir de la droite. Donc, j'ai un alcool qui est à la position 3 et un alcool qui est à la position 5. Donc, c'est du décan 3-5-diol. J'avais oublié le AN ici, il est important, c'est pour dire que c'est toutes des liaisons simples dans ma chaîne principale. Maintenant, il y a encore des choses que je n'ai pas nommées. J'ai nommé les alcools, j'ai nommé les carbones de ma chaîne principale, mais je n'ai pas nommé ces carbones-là encore. Ça, c'est un éthyle. Ça, c'est un éthyle. Donc, j'ai deux éthyles, fait que j'ai ajouté 10 éthyles en avant, c'est une ramification. Et je vais garder les mêmes numéros que j'ai déjà identifiés. Donc, il y a un éthyle à la position 4, et un éthyle à la position 8.
Donc, c'est 4, 8, diéthyl, décane, 3, 5, diol. Encore là, il y a des noms communs pour certains alcools. Pas besoin de savoir ça pour le test. Il y a l'alcool de bois. L'alcool de bois, c'est du méthanol. Donc, il y a seulement un carbone. Pas oublier, quand on fait une ligne, quand il y a une lettre au bout d'une ligne, ça veut dire qu'on spécifie c'est quoi l'atome. Mais s'il n'y a rien écrit au bout d'une ligne, c'est du carbone. Ensuite, il y a l'alcool, comme quand on dit qu'il y a de l'alcool dans le vin, on veut dire en réalité qu'il y a de l'éthanol dans le vin. Et l'isopropanol, ou l'alcool à friction qu'on peut acheter à la pharmacie, c'est plutôt du propane 2-ol. Ensuite, pour les alcools, il existe trois classes et je m'attends que sur un test, tu es capable d'identifier, si je te donne un alcool, à quelle classe il appartient. Est-ce qu'il appartient aux alcools primaires, secondaires ou tertiaires? Un alcool primaire, ça va être un alcool qui est lié seulement, que le carbone est lié seulement à un autre carbone. Parce qu'il ne faut pas oublier que le groupement alcool, c'est le carbone qui est lié à un OH. Ça, c'est le groupement alcool. Ça, c'est hydroxyle. Ça, c'est alcool. Donc, pour savoir si c'est un alcool primaire, il devrait y avoir seulement un carbone auquel est lié mon carbone qui est lié à l'hydroxyle ici. Alors qu'un alcool secondaire va avoir deux carbones qui sont liés à ce carbone-là. Donc, je vais répéter le même exemple ici. Ça ici, c'est mon alcool. Et je vais rajouter un carbone en haut ici. Et dans ce cas-ci, mon alcool, le carbone ici, est lié à deux carbones. Donc, c'est un alcool secondaire. L'alcool tertiaire, mais là vous aurez deviné qu'il va avoir un carbone de plus, trois carbones accrochés à mon alcool, donc à ce carbone-là ici. Je vais dessiner en bleu ici. Donc je vais avoir un carbone en haut, un carbone en bas. Donc là maintenant ici, j'ai trois carbones auxquels est lié le carbone qui est lié à l'hydroxyle. Donc, si vous avez bien compris, vous êtes capable de me dire est-ce que cet alcool-là, c'est un alcool primaire, secondaire ou tertiaire?